premier ami. Ça, on comprend, non, c'est pas ça. Steve Wesley Joseph, Milado Moïse, nous saluons Jean Herbie, Manouchka Léopold, Jean Elysias, Izimex, et Bernard Louis, merci à nous toutes. Et oui, merci à nous toutes. Yvette Mildor, John Herbie, Gerlen, c'est Jonas, c'est Jonathan Gerville, Ashley Paul, R.S. Zambata, God is good, et Lutec, c'est Faoul, Josué Jean, Lionel, Renaud, Donatien, Gerlen, c'est Jean Prussien, Plaisir, Maud Bossé, et ok, merci, et puis nous saluer tout. Jafet Timothée, Mijuel, qui ensemble avec sous live là, merci Jafet. Merci à Lovensky jeudi aussi, qui nous assiste du mardi au samedi, parce que le lundi, Lovensky Gombrik, laisse ça. Nous avons trois mondes qui qu'on avait, Schumann, qu'on l'a fait de Nerf Basile, qu'on gagne tout. Colson Réjoui, que nous saluons, qu'on gagne tout. Mac Joël Jean, nous saluons toute équipe là qui permettent que nous parlons là ensemble avant aujourd'hui. Nous sommes vivants en semaine très particulière, en semaine compliquée, en semaine délicate, en semaine avec un pile interrogation, un pile question. Nous t'ai commencé très bien, nous songez lundi, nous t'ai là dans émission et intersection. Et puis en catastrophe, nous t'a cap dire un cataclysme. Et un événement inattendu que génération pas nous a pas connaît et passé dans la nuit du 6 au 7 juillet. La CAI, président Jovenel Moïse, président de facto, soit président quand même, et on équipe moun, mercenaire, c'est ça, Yodi, débarqué, assassiné, et président, et puis madame Ni, très grièvement blessée, dans des circonstances non encore élucidées, n'a peut-être pris un temps pour nous comprendre. Et ça passe là, parce que son c'est vrai, l'histoire d'Haïti gagne un genre de fait ça yo, mais attendre à ce que on bagaille comme ça passer, la caille citoyen que nous t'a considéré comme le mieux protégé d'Haïti avec plusieurs cordons de sécurité, c'est plusieurs étapes pour traverser avant arriver côté président, et encore que information tout et qui fait quoi que carré président et porte-président sont blindés, donc les extrêmement difficile dans le contexte ça pour des mercenaires arriver franchir. Or ceci a été fait, alerté depuis aux environs 3h30 du matin, et bon, depuis là ça a sommeil difficile pour prendre, moi était difficile pour comprendre, difficile pour quoi tout, il a fallu même que nous t'ai même relé quelques autorités qui en place pour te confirmer ceci a été fait. Alors bagayo extrêmement difficile, pays d'Haïti, pas terrain, mais président Jovenel Moïse, et nous-mêmes, nos pas terrain, mais gestion, encore que les mandats finis, et nous t'es premier monde qui dit nous pas pour reconnaître lui comme président. En pile, monde t'es souhaité que le président t'ait abandonné pouvoir, il y a monde qui t'es souhaité même que t'es allé dans prison pour des bagailles que vous reprochez, il y a monde qui pas même un problème que pour t'es débarrassé assez de président pour le aller à l'exil. Mais et dans la culture, nous aimerions remarquer encore une fois avec événement ça,
nous parlons bagaille tragique ça, ou événement tragique ça, yo déstabilisé, nous pas parler de moi-même en particulier, mais m'a parlé de pays, et m'a parlé de pays en général, nous pas, parce que moi-même, moi dis tout le temps dans le micro, moi te dis le président Jovenel Moïse, attitude li, lorsque li est persisté, malgré toute demande qui fait, et nous te dis, le président semblait choisi pour mourir sous pouvoir, nous on dit ça, mais nous t'ai toujours dit que c'est pas un bagage, nous t'ai souhaité pour lui, nous pas voulait, et moi dis déjà avec la sincérité qu'on me connaît, moi pas souhaité malheur à pièce moun. N'a pas combattre des idées, n'a pas combattre avec la loi, avec la constitution, pour s'il le faut évincer un monde qui sous pouvoir de manière illégale et inconstitutionnelle, mais de là arriver dans sacrifice vil, nous pas la donne, nous pas jamais rejoindre de ça, jamais, jamais, au grand jamais, ça, et nous pas jamais joindre la caille. D'ailleurs, qu'un démocrate pas qu'à prendre plaisir dans disparition au monde, et puis me penser, j'en m'étais dit hier, dans l'émission Intersection, et j'en m'étais dit dans l'émission Intersection, la violence pas qu'à solution pour nous résoudre qu'un problème, parce que la violence engendre la violence. Assassinat engendré assassinat. Donc nous disons, en société démocratique, pas jamais qu'à bâtir sous genre de bagaille si là. Donc il faut que nous essayions, ouais, si nous qu'à cultiver plus tolérance, plus l'amour dans la société. Ça ne veut pas dire parce que nous cultivons la tolérance, ça veut dire nous pas qu'à opposer à un autre. Oui, il faut gagner l'opposition. Oui, il faut gagner et divergence d'idées. Oui, nous pas dans la société à penser unique, tout le monde pas qu'à penser même gens, réfléchir même gens. Oui, a toujours bon pouvoir monter à gagner de monde, qu'a souhaité que li tombe ou bien li bon en fait qui en face li, mais l'aime dit tomber, c'est pas tomber avec zam. D'ailleurs moi toujours dit moi même qui là ou même qui là l'aurait joué de assassinat au monde, est-ce qu'on fin pas ou, et le par exemple au monde ri nan malheur au monde, c'est l'on proche ou tomber, et pour qu'on ça veut dire. Je me songe dans l'émission Intersection dans la semaine, non pas semaine ça, semaine passée, yo, moi t'ai expliqué pièce et qui était qu'on gagnait et samedi après-midi sur TNH longtemps et Gracien etc. et puis côté monsieur t'a fait cercueil, et puis depuis le temps dont moun mouri nan ti bouk la, j'ai fait fête parce que le connaît pral fait cob, c'est lié au pral bay job là, et puis on joue on accident fête pendant la fêter, parce que yo dit c'est plusieurs moun qui mouri, et puis la fêter l'argent pral tomber n'a pas papier, et puis c'est le a yo vinn dil c'est madame nikte nan accident, c'est petite li, c'est frère, et puis grâce à tomber crié, donc c'est le malheur arrivé la caillou ou comprendre douleur, ou comprendre. Moi-même, moi j'étais vraiment consterné, pas jamais caché que je n'ai jamais aimé régime tête caléa. D'ailleurs, c'est journaliste qui était toujours prend responsabilité pour me dire que me pensais équipe ça, qu'il s'agisse de Jovenel Moïse ou de son prédécesseur Michel Martelly, c'est de monde qui a conduit pays à la ruine. J'aime suspendre, et m'a continué dire, c'est deux mondes qui crasent toute institution. D'ailleurs, Jovenel Moïse tellement crasé institution que journée aujourd'hui, l'ilagène t'a qu'on cigarette l'humain dans deux bouts pour jouer une solution pour remplacer, pour payer à continuer et exister. À celle-là, nous avons flou juridique, et parce que qu'il s'agisse du Parlement, c'est vrai qu'on bagaille qui fait là, on bral ton insolite, qu'il s'agisse du Parlement, qui pas qu'à réunir en Assemblée nationale, parce que pas gain de chambre députée, le Sénat est amputé de deux tiers, responsabilité première là incombée à Jovenel Moïse.
le pouvoir et judiciaire pas existé puisque nous ouais CSPJ pas même réussi à installer cour cassation Jovenel démanteler dans révoquer juge à droite à gauche sans le pas de mandat pour ça et journée aujourd'hui alors m'ta ba exemple hier et c'est un coup on citoyen on est qui quoi le citoyen et puis il tombe grenet petit à droite à gauche et puis il y a pas gain ken statut ti moun yo yo pas même kon yo yon pas entend à l'autre madame mariée ti moun deyò ti moun ici ti moun l'autre bon et puis il pas fait ken testament tout comme s'il t'a dit mais sac point tel mais sac point tel et puis nèg apo ko mouri et pourtant de ces batailles qui gagne en famille et ben c'est même situation ça président Jovenel Moïse la gagne pays a l'écraser toute institution au Liban il gang dirigé et voilà que journée aujourd'hui a li disparaît de manière tragique et puis pas gain solution tout le monde et chaque rallye de bon côté yo dit c'est yo c'est ceci c'est cela et puis l'international continue à tailler banda même Jean et ça ça était toujours qu'on fait sous administration Jovenel Moïse nous t'ai toujours dit président Jovenel Moïse que international là où est cap supporto dans tout ça va faire qui pas correct yo n'en prend décret tête chargé n'en bail décharge sont pas gain sont pas gain pouvoir pour ça n'en fait quatre démalogue malgré refus et avis défavorable de la cour des comptes tout ça fait révoquer juge yo senti anti note comme ça disait pas Raymond ou Raymond si on était Raymond président Jovenel Moïse non seulement yo et pas tap support ou dans son affaire seulement mais on était pral bon moyen pour réussir et pouvoir là parce que qui moyen pour gagner c'est l'argent c'est des accords de prêt pour signer pour mettre des travaux à haute intensité de main d'œuvre mettre peuple à au travail etc créer et en tout cas stimuler la croissance et stimuler production c'est ça au besoin qui j'aime aider au j'aime bail président Jovenel Moïse et nous tellement gain raison garder journée aujourd'hui à président Jovenel Moïse mouri et puis so ouais communauté internationale là l'île gétan la li gain même discours là élection année ça m'pas même quoi elle te prend petit temps pour le te saluer tout travail Jovenel Moïse t'a fait pour yo dans pays à compte intérêt pays à yo pas même te prendre temps pour ça c'est pour montrer que dans qui Jovenel Moïse yo yé et c'est ça que fait toujours dit bon c'est pas nous dit c'est ton vérité qui établit les grands pays ça yo les nations elles n'ont pas d'amis elles n'ont que des intérêts intérêts ou c'est ça qu'a garanti pour yo jour par là il y a même côté à et c'est un cousin madame ou te gen et puis calantero et puis depuis nan funérailles là li gen tap chercher remplaçant li gen tan gen nèg kap bal ti cause moun kap consoler li sous épaule li a kap consoler là et puis ouais c'est l'autre parole li gen tap di nan oreille li et puis c'est Géronge vas-y laisse a moun nan commencer remet en cachette pour moun pas dire oh ou ta quitté tombe nan ou moins t'es à sèche sous cadavre là et ben c'est même que gens donc yo pas même gon ti minute de silence pour ben journée jodi a yo gen temps engagé yo nan ki sa yo vle fait sur l'assassinat lui-même ça pose un pile problème c'est des yo parlé de mercenaires et colombiens des retraités de l'armée colombienne FBI sous question et l'état colombien à toute l'armée colombienne offrit toute collaboration yo pour yo joindre côté ça sorti etc. En Haïti moi gain gros souci gros préoccupation. Mais j'ai l'impression Jean autorité au parti alors elle me dit l'autorité ben me dit surtout par quai de Port-au-Prince avec commissaire Maître Bedford Claude. Jean Maître Bedford Claude parti avec dossier a moi gétan ouais li parti pour nous pas connait vérité a. Moi gétan ouais c'est même bagaille qui était connait gain sous président Jovenel Moïse avec en justice bâclée en justice politique cap orienté vers des figures qui en face président Jovenel Moïse et puis ça ouais en vérité a pas jambe blai
même Jean ça t'est passé dans Camet d'Orval semblait c'est même bagarre là qui a passé parce que Jean Moué commissaire gouvernement Patia la société semblait pas jamais qu'on vérité son ça qui passé parce que écoute son question de bon sens n'ont pas besoin de faire gros politique ni ou pas besoin de gros juriste ni expert en droit pour comprendre que son bagage qui biaisé au départ n'importe qui coui d'âme qui première démarche qu'au cagain dans cadre yon moun assassiné président de la république qui gagne sécurité par exemple si moi même m'a vive moi gagne sécurité moi gagne personnel moi gagne tel n'importe qui moun nan si on assassine a fait et ben premier moun dans moun ça pas même gagne temps déplacer ça va veut dire ou accuser au contrairement à sa mon série de agents IGPN etc. c'est pas ça mais c'est norme d'ailleurs on bagaille comme ça arrivé responsable sécurité président li connaît automatiquement li doit mettre à la disposition de la justice pour commencer répondre question. Donc c'est la justice gen sécurité président li gen chef sécurité liyo li gen mercenaire nan men bah c'est là pour commencer à agir et l'on commence question son bagage qui était doit faire séance tenante. C'est le même jour, c'est sur la scène même de l'événement que moun sa yo te doué alors à la disposition de la justice commencer répondre question si on pas connait rien et si la justice ouais effectivement que yo innocent en bagarre là certainement après lâcher parce que pas gain nous pas ca et pas ca ou pas ca le faire et président mouri même pas quoi même li t'a souhaité et que c'est de innocent pour y a marrer nan place vrai coupable parce qu'il y a bien exécuteur mais il y a bien cerveau intellectuel yo tout mais qu'on y est pour un commissaire gouvernement attendez oui mes amis qui sans ça rien pour un commissaire gouvernement jusqu'à journée aujourd'hui président Jovenel Moïse 6 7 jodi a nous gétan 10 juillet jusqu'à journée aujourd'hui li poko tan de pièces nan moun qui soit sécurité c'est moi c'est invitation qu'elle a voyé etc. Il faut qu'on des pièces dans mon zayo et puis journée aujourd'hui c'est tout le monde li estimé que président pas terrain qu'elle t'a persécuté etc. ou bien qu'il t'ait pris prise de position contre administration Jovenel Moïse là li tombé voyé mandat. Et ben dans ce cas commissaire Bedford Claude si c'est comme ça ou comprendre qu'on va faire lumière sur l'assassinat Jovenel Moïse ou quitter Bourik là pour battre sac par là et ben frère préparer me passer fort voyer acheter ram papier me pas si c'est dans qui voyer acheter ram papier parce que ou pral gagne pile en pile invitation ou voyer parce que depuis un monde te vinn dynamique au mandat Jovenel fini j'ai impression ou voyer invitation balé tout organisme droits humains qui te dit que Jovenel a violé droit monde avec régime tout monde qui te critiquait Jovenel dans ton léger tout droit humain Pierre Espérance tout journaliste Jean Monataco ça président Jovenel Moïse te met chef gang a menacé et ben c'est tout monde ça yo net si c'est sous base monde qui t'a critiqué ou bien ça Jovenel t'a persécuté tant coup parce que les familles Vob et parce que famille et Préval etc. tout monde ça yo comme si qui te gain maya parti avec président famille Boulos comme si c'est consor ou penser invitation pour le fait et ben déjà dans population hein ou gen tan fait moun yo pa kwè nan démarche là parce que là yo wè son bagay a connotation politique ko ap régler ou pa fait bagay là de manière technique ou pa al commencer m'a dit que ou pa ka vienne inviter moun sa yo non oui mais c'est à partir de information de moun qui était sous terrain sécurité etc. qui était là que bagay la passé moun qui était responsable sécurité et donc c'est yo pour commencer relé mais c'est à faire commencer son enquête dans relé pour Jap Steven Benoît parce que Steven t'es dans radio ou relé tout le monde ça yo mon cher moi même m'pas caché par l'eau les mauvais bagarre là
et premier bagaille qui passait dans tête moi c'est rimri moi dit que c'est pas la justice qu'on besoin fait et semblé dans même genre yo te mandé pour mettre Dorval là et c'est apparemment yon d'accord dit yon commission d'enquête internationale a dit laisse ça et pas gain passeport qui et c'est Jean bagaille là et comme dans des FBI et m'espérer que yo fourré tête yo fond pour yo pas la gueule dans main nèg ça yo qui gain temps qu'on y a à cibler moun à voyer en face opposant à président Jovenel comme si parce que t'es opposant c'est ou même forcément qui obligé-t-il. En tout cas, sous assassinat ça, mes amis, nous prenons un bagaille là de manière globale, parce que si m'ta tombé pour m'apévoyer note de sympathie, note de condamnation par rapport à Zak Krapulea qui commet là, eh bien, j'ai l'impression que nous fait toute matinée, parce que c'est toute partie politique nette en général qui voyait note sous question ça, la fusion des sociodémocrates, ADN, que ce soit au PL, tout gen note, n'a pas de rapport organisé droits humains, tout, mais espérer qu'il y a pied d'œuvre, et mais gagne le cadre qui gagne réaction pâle sous assassinat, cadre qui dit le révulser et exiger justice. 7 juillet, vers 1h du matin, le président de fait, Jovenel Moïse, a été aisément assassiné dans sa chambre, à sa résidence à Pèlerin 5. Sa femme, Martine Moïse, atteinte de plusieurs projectiles, est transportée d'urgence à l'hôpital en Floride après avoir reçu les premiers soins en Haïti. Selon les informations officielles, le président a été assassiné d'une douzaine de balles par un commando crevé, bras cassé, etc. En cette douloureuse circonstance, alors avant nous avancer dans notre cadre-là, pendant l'a expliqué et dans quelles conditions président a mouri, comment juge là, parce que yo dit que juge qui t'a fait constat ou a recevoir un pile menace que l'obligé mettez-li à couvert et mettez-li à couvert. Alors, Fon dit que fait qui douloureux dans assassinat ça, et m'te dit hier, c'est que président, apparemment, toute manœuvre qui t'a gagné dehors, et a essayé mettre Marie agent et sécurité et Jovenel Moïse était conscient. Jovenel Moïse s'il était endormi il était gantan réveillé et Jovenel Moïse était gantan fait plusieurs appels et m'ta parlé non hier d'un appel que le passé à minuit 9 et oui et ça veut dire l'a cherché de moun qui capote le secours, qui ka gantan di un mot ou bien qui ka fait quelque appel. C'est là bagaille un petit peu douloureux parce que c'est pas pour dire un monde qui était dans plein sommeil et puis au vin exécuté, mais son monde qui gantan réveillé qui wèl en moi k'ap vini et puis k'ap cherché secours, k'ap relé et à droite à gauche pour le joindre de moun qui capotait le secours et puis malheureusement et secours au patrie va à temps. C'est vrai que me pensais Léon Charles te gain pas fait diligence et c'est peut-être raison ça a fait que quelques colombiens yo arrêté maintenant a fait colombien tout et n'a fait colombien fourni très 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 prudent dans la donne parce que hier m'a regardé vidéo un citoyen colombien qui vit ici, qui est obligé d'en cacher, qui a demandé autorité pays, façon pour l'évacuer, pour le quitter pays, parce que Kounia est même ressortissant cubain, moi, un pile message qui lançait, parce qu'on dirait, depuis, c'est pas un yolou parler là, ou paraître dans la rue, il y a une tendance, envie prendre ou envie lapider, faut que bagay là, et il n'y a pas qu'à faire dans condition ça. Oui, quand dit que,
nan douloureux circonstans sa, li prezante sympatil bay fami Moïse et tout population an, ki troublé par ce tact et souhaite un prompt rétablissement à madame Moïse. Le centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme est doublement révolté. Même s'il occupait la présidence de fait depuis le 7 février 2021 et que le cadre a souligné dans différents rapports sa responsabilité dans les violations de droits humains et les liens de son administration avec les gangs, son assassinat doit être condamné avec le ton le plus ferme et détaché de l'insécurité générale qui prévaut dans le pays. Les citoyens étant égaux en droits humains, principe de l'égalité et de non-discrimination, le cadre ne saurait rester silencieux. Il avait systématiquement dénoncé de la même manière les tueries depuis novembre 2018. Le cadre exige une enquête internationale autour de cet assassinat. Les trois pouvoirs de l'État, notamment celui de la justice, étant dysfonctionnels, l'empressement suspect de M. Claude a déclaré l'état de siège, Claude Joseph affirmant qu'il dirige le pays jusqu'à la réalisation des élections et que la situation est sous contrôle et a défilé devant les puissances. Puissante ambassade porte légitimement le cadre à entrevoir au moins une tentative de coup d'État. Notons en outre qu'un nouveau premier ministre a été nommé le 5 juillet. Comment le plan d'assassinat du président peut-il être planifié et exécuté facilement sans incident? Même un agent de la garde présidentielle n'a été touché. La responsabilité de la garde présidentielle, USGPN, USP, CAPTIM, n'a jamais été évoquée dans les prises de position officielles. Maintenant, la police veut faire croire à travers des subterfuges qu'elle contrôle la sécurité du pays des assassins tués, des arrêtés, pour le mois de juin, au moins 150 assassinats et 200 kidnappings ont été perpétrés dans la zone métropolitaine. Cadre, un proto-État dans l'État haïtien, donc c'est rapport à ça que tu es titré comme ça, plus de 150 assassinats et près de 200 kidnappings pour le mois de juillet, si, et pour le mois de juillet 2021. Au nom de la morale et de la justice internationale, la lumière doit être faite sur ce tact crapuleux qui dérange la conscience collective, souvent évoquée par la coopération internationale, particulièrement les superpuissances. Les notes de sympathie ne suffisent pas. Le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme cadre lance un vibrant appel à toute la société pour trouver le plus vite possible une alternative devant conduire au rétablissement de l'état de droit. Donc ça, c'est cadre qui signe notre c'est là. Et puis, on nous dit que tout de suite après assassinat, autorité qui en place, on a parlé de Claude Joseph, qui est premier ministre, qui était, c'est vrai, et Jovenel Moïse était remplacé, mais cérémonie, installation nouveau à pas de guette en fait. Et de fait, donc s'il n'est pas prêté, s'il n'est pas installé, ça veut dire que le pas de cap en charge. Claude qui était là à I, donc c'est lui-même qui kembe et c'est lui-même avec reste l'État, qui était guettant décrété état d'urgence sur tout le pays, etc. Pas état d'urgence, état de siège. Alors, sous question, état de siège là, faut nous dire mon yo. État de siège là son bagay qui d'abord étroitement lié à question l'armée. Ça veut dire bon là nous pas qu'à dire nous bien l'armée parce que état de siège là son dispositif qui mettait en place généralement dans des situations tant coup insurrection armée ou invasion étrangère. Il y a plusieurs dispositions là-dedans.
parce que c'est l'armée d'ailleurs remplacer totalement la police pour la sécurité publique. Certaines libertés de l'état de droit yo a restreignyo tant que circulation, manifestation, expression, j'aime ça dire là yo restreint, mais est-ce que l'état ça a qu'à faire? Média yo ta doit contrôler, c'est ça oui l'état de siège, donc c'est pour montrer que ça va gagner rapport. Et puis bon couvre-feu qui entré en vigueur et sous territoire qui concerné par état de siège là maintenant cas ça a décrété à c'est tout pays à net et mobilisation nationale peut-être décidée. Et puis dans cas ça les tribunaux civils sont remplacés par des tribunaux militaires. Ça veut dire que son démocratie mise en veilleuse et que l'armée doit rentrer et plusieurs côtés, les arrêter monde et puis le faire jugement lui-même à travers ses propres tribunaux. C'est comme ça, ça qu'a fait. Alors, sous Mme Mirland Maniga, lui-même, lui désapprouvé totalement cette affaire de état de siège, et nous te dit le tout, nous pas ouais comment nous ka en état de siège. Constitutionnaliste là, il dit désapprouver décision gouvernement démissionnaire là qui déclarait état de siège sur toute l'étendue du territoire national. Ce dispositif juridique ne peut pas être adopté sans l'aval du Parlement, argumente la professeure de droit constitutionnel. Bon, nous pas même gain. Madame Mirland Maniga dénonçait le caractère illégal de l'arrêté déclarant l'état de siège sur toute l'étendue du territoire. Cette mesure de restriction de liberté devait trouver l'assentiment du Parlement avant sa mise en œuvre, soutient la présidente d'honneur du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. La femme politique souligne que cette mesure autorise les dirigeants en place à limiter les transports, à imposer des couvre-feux, à procéder à des perquisitions et à contrôler les médias, etc. Parallèlement, la dirigeante politique préconise la mise en place d'un gouvernement de transition avec un agenda défini, bien défini et échelonné sur le temps en vue de mener la barque nationale. Et donc c'est ça Madame Maniga, quoi, en fait nous dit tout. Il est difficile pour décréter état de siège dans un pays koto pakadou gen l'armée. Jovenel Moïse tap fait on l'armée pour banane, mais ça pas de l'armée. Sous question tout, alors réaction internationale la Noël, c'est toute presse internationale la net sorti dans France 24, RFI, CNN, toute chaîne internationale yo parlé de Haïti, yo surtout parlé de assassinat, de qui aide, par exemple, aide gouvernement haïtien mandé les États-Unis pour aider dans enquête. Si là, n'a pas comprendre au lieu nous tomber dans commissaire gouvernement tomber dans faire démagogie et vraiment d'abord tout le monde qui peut que Jovenel t'a persécuté ou bien pas très mais Jovenel ou bien t'a fait déclaration contre Jovenel tomber voyer mandat et bah ça c'est son bagaille qui déjà montre j'en nous saute disant que n'y a pas gain volonté pour bail justice à Jovenel Moïse. Jean le te qu'on fait là lui-même, il pas te mettre la justice en disposition pour te permettre que citoyen yo te joigne justice. Voilà que Jean Moïnèg yo parti a c'est même bagaille là qui a privé le tout parce que yo gain temps politisé en question qui très sensible qui m'ont demandé en dextérité et puis professionnalisme dans enquête avec tête frette sans considération politique ou autre pour chercher la vérité côté lié, mais c'est pas ça nous qu'a fait. Michael Jean qui c'est ancienne gouverneur du Canada notamment, lui font tweet côté le dit l'erreur fondamentale et dramatique du président Jovenel Moïse aura été d'affaiblir et de démembrer toutes les institutions de l'État aujourd'hui totalement affaissées. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Or, un chef d'État sans État court le plus grand des risques.
Le président s'est ainsi retrouvé sans armure, sans protection devant les pires dérives, tapis dans l'antre de l'insécurité dont il avait fait son refuge. Donc c'est Michael Jean qui dit ça, en pile monde dit, Jovenel Moïse qui était crasé institution yo, et voilà, journée jodian, Jovenel Moïse pas là, et puis c'est un coup son cigare allumé au debout. Dans quelle situation nous trouvons? Moi, je vais commencer à dire là. Jovenel Moïse, gon premier ministre, A.I. qui est ensemble avec, l'y changer, l'y mettons l'autre premier ministre, et sans accord politique, sans consultation réelle, pour le mettre Ariel Jean. Et voilà que Ariel Jean, pas guettant, Ariel Joseph, excusez, pas guettant installé, parce que nous tenons Michael Jean, Ariel pas guettant installé, donc il pas guettant en charge l'État, et Claude Joseph, qui était premier ministre à IT, soit dit pratiquement démissionnaire, Claude est continué occupé par pareil l'État. Alors c'est ça m'a dit au monde que l'État faut qu'il toujours continue à exister. Alors le Kembe nous souhaitait que gon solution haïtienne, c'est pas blanc imposé, non, haïtienne qui pour nous vienne dire comment ça a réglé. Entre-temps, hier, Sénat de la République là proclamé Joseph Lambert, président provisoire, et n'ayant résolution que vous prenez, moi, quoi, c'est 7 sénateurs, c'est là le problème. Journal crasé institution, yo. Journal, je dis à Bagay, ça a tapé solide, sous t'es gon assemblée nationale, qui t'est réunie, qui prouve, bah, voilà, que Journal crasé, l'y fait son titière, et qui peut-être, mettait un petit doute, sous légitimité tout ça qu'a décidé. Alors, en plus de ça, gagne plusieurs structures politiques qui gampile parti PHTK tout la donne et signé un document d'entente pour yo entendre yo sous question et Lambert, y compris premier ministre qui pat installé. Bon, bien l'autre parti qui est très puissant dans la société a, et que nous pas retrouvé dans monde qui sien yo tant kou famille Lavalas, tant kou petite Dessalines, tant kou secteur démocratique et populaire, moi pas quoi moi petite Dessalines tout, moi pas ouais l'autre encore, et donc c'est comme ça. Et c'est comme ça situation hein. Il y a qui s'est pral fait entre-temps. Claude Joseph lui-même li joine soutien communauté internationale là, puisque les parler avec secrétaire d'État Blinken, ou comme ça veut dire pour dirigeant haïtien, le on va passer comme ça, et puis pour joindre par exemple madame Lalime qui lui-même est très pressé comme toujours. Et puisque vous connaissez, mademoiselle, toujours bon comportement de proconsul, et c'est Jovenel qui te balle toute autorité, ça y est ici, lui, guettant, lui décidé que Claude Joseph a mené transition hein, jusqu'à ce que de nouvelles élections réalisées. Et donc, c'est une confusion totale, ça, et que pays a retrouvé le journée jodia. Et donc dans résolution Sénat il dit pour combler la vacance présidentielle laissée par le président Jovenel Moïse assassiné en sa résidence le 7 juillet dernier, le Sénat de la République, dans une résolution adoptée à la majorité absolue par 8 sénateurs pour 0.2 abstentions ce vendredi 9 juillet, a proclamé Joseph Lambert président provisoire. Le nouveau président provisoire, son Excellence Joseph Lambert, prêtera le serment constitutionnel au Parlement devant l'Assemblée des sénateurs en présence des autorités constituées, des leaders de la société civile et de la classe politique, peut-on lire dans cette résolution qui compte 8 points.
Joseph Lambert, élu du peuple comme sénateur de la République, est choisi par ses pairs et pour remplir la fonction de président provisoire de la République d'Haïti jusqu'à l'entrée en fonction du Parlement le deuxième lundi de janvier 2022, d'un nouveau président élu le 7 février 2022, ajoute-t-on. La résolution, j'ai l'impression que vous mettez ça, c'est pour vous, ouais, si y a joindre et d'Arabdi, bonne grâce communauté internationale là, parce que ni moi-même ni vous-même nous tous connaissons Jean Pays à tête en bas rêve communauté internationale là pour ta gain temps font élection là rapide dans pays à ça son bagage non pas ouais qui matériellement techniquement et politiquement impossible parce que me dit n'importe quel gouvernement de transition qui installé là il y en a plus gros responsabilité pour gagner c'est organiser procès Petro-Caribé parce que pas gagne monde cap d'accord pour avec même l'argent Petro-Caribé ça nèg vinn battre des vrais démocrates des citoyens honnêtes nan et pays a nan bagay sa. Or, élection marché pressé, couri que blanc vlea, c'est justement pour faire que pa gen ken vérité qui établi sou ken massacre qui fait nan pays a, pas même sous pas et président Jovenel Moïse. La résolution précise que la prestation de serment réalisée, le président provisoire sera immédiatement installé dans ses fonctions au Palais national. Le président provisoire entrera en consultation avec les différents secteurs de la vie nationale en vue de la formation d'un gouvernement d'entente nationale chargé d'exécuter les politiques publiques adaptées à l'intérim. Un conseil électoral provisoire basé sur le modèle constitutionnel sera formé dans le délai de 15 jours. Le décret électoral sera publié au plus tard dans la dernière semaine du mois de juillet 2022-21. Le rétablissement de la sécurité et la tenue des élections crédibles dans le plus bref délai raisonnable constituent les deux priorités du gouvernement provisoire. Ont poursuivi les sénateurs. Ils ont indiqué par ailleurs que la présente résolution sera acheminée au secrétariat général du Palais national, au directeur général de la police nationale d'Haïti et aux représentants et aux représentations diplomatiques. Ça, c'est ça, Sénat, et en tout cas, tiré Sénat fait. En tout cas, ça me dit le fait que Sénat, son petit boutelier, un petit bout, c'est vrai, c'est yo seul qui élu là, bah, c'est pas bien élu dans le pays encore. Donc, nous comprenons que yo ont une certaine légitimité, mais le fait que yo pas qu'à gagner l'Assemblée nationale et son petit bout de Sénat, et est-ce que, quelle que soit décision, c'est pas une décision qui t'a dû faire l'objet d'un large consensus, à travers le pays et puis pour sa bagaille. C'est vrai, la communauté internationale là, qui déjà positionnait très clairement, bon côté Claude Joseph, comment la pral accueilli résolution ça, et c'est son lot débat encore, sans pile interrogation, en pile question, que nous gagnons pour nous posé dans conjoncture particulièrement troublée ça. Alors, André Michel, merci Lovensky. André Michel gintan gon réaction et gon réaction par rapport à que décision ça et résolution Sénat et puis parti politique nous autres dit signé yo. Li dit non tweet la solution à la crise doit être haïtienne est largement concertée entre la classe politique, la société civile, la diaspora et les groupes de base. Toute autre démarche est malsaine et mort-née. Le secteur démocratique et populaire ne signera aucun accord dans la précipitation. Ça veut dire que l'y penser que yo pas dans démarche là j'en y est et au préciser
nous note que le secteur démocratique et populaire n'a pas signé le protocole d'entente nationale qui a choisi le duo Joseph Lambert et Henri, et le Premier ministre Henri et Ariel Henry pour diriger la transition. Dans une interview accordée à la presse anglaise, le porte-parole du secteur démocratique et populaire, Maître Michel André Michel, confirme que le secteur démocratique et populaire n'a pas signé le protocole d'entente nationale paraffé par les partis politiques de l'opposition qui avaient rencontré l'OEA et le groupe PHTK et allié Liné Balthazar, Jean-Tel Joseph Eudes Lajoie. Pour le porte-parole du secteur démocratique et populaire, l'assassinat du président de facto Jovenel Moïse a plongé le pays dans une situation exceptionnelle. Il n'y a pas de solution nationale. Il n'y a pas. Alors, il dit qu'il n'y a pas de solution constitutionnelle pour faire face à cette réalité. Il faut une solution nationale largement concertée pour sortir de la crise. Aucune organisation de la société civile n'a paraffé ce protocole. Il est impossible de sortir de la crise sans la société civile organisée, selon André Michel, qui signale que les discussions se poursuivent entre la société civile, la classe politique, le secteur populaire et la diaspora pour trouver la bonne solution. À noter que des organisations politiques comme Famille Lavalaz et Petite Dessalines n'ont pas non plus signé ce protocole. Nous apprenons qu'une conférence politique des organisations de l'opposition et de la société aura lieu au plus tard ce dimanche à Port-au-Prince pour débattre et de comment sortir rapidement de la crise. Donc c'est comme ça. Et situation ailleurs. Hein, en tout cas, mais quand même, Joseph Lambert réunit, d'accord, dit, une grande frange de la classe politique, puisque tout Dirpod gagne plusieurs partis de l'opposition. Alors, Dirpod qui gagne toute fusion des sociodémocrates, il gagne unité, il gagne AAA, tout parti Sayo qui la donne, donc une grande frange, mais quand même, gagnait toujours qui est dehors, Isaac Fernand dit, son large consensus que l'OIER démarche a continué, discussion a continué, rencontre continue à faire, et pour essayer de jouer une solution qui haïtienne, concertée et qui pas pral fourine, n'en parler en pile parce que le peuple haïtien bouquet. Non, prend la rue, manifester, prend balle, prend caoutchouc, prend gaz lacrymogène. Faut sa cap sautillant son bagay qui, ta cap dit, qui joigne à sentiment du pays profond pour moun yo pas trouver que intérêt yo lésé, etc. Voilà, Lovensky, grand pile l'autre bagay nous t'a parlé. Alors, nous comprenons que l'actualité a li obligé et totalement modifié. Les tourner autour de assassinat et président Jovenel Moïse de manière inattendue. Oui, parce que nous avons parlé de l'équipe qui signe, nous avons là, ENA, FND, bien-aimé, Arodon, Unité, Dirpod, Sorel Yacinthe, et gagnant Gérald Gilles, qui signe Émergence Patriotique, et René Civil, gagnant l'Ordre Démocratique Max Atis, gagnant Maniekel Régulus, qui est un Biron Rodigé, et gagnant Timothée Roni, Leslie Faro, toute organisation ça y aussi, hein. Gagnant et Sifra Michel, Roger Milien, Kenol Mathieu, et Natacha, gagnant et Francine Denius, ancien sénateur Francine Denius, gagnant Lubin Jean-Claude, en pile organisation signe, en pile Marie-Denise Claude, gagnant et en pile Liné Balthazar. Bon, et difficile parce que j'en ai signé au fait là, c'est à la plume, yon sous l'autre, nous pas ouais tout, mais yon en pile vraiment, même si, gen choule, même si,
Kazi MTV Haïti, Gemblaise, Roberto Franqui, Dieu et toute organisation ça aussi hein. Oui. Oui, sans pile vraiment. Qui signe, mais quand même, ouais, secteur démocratique, nos petites Dessalines, l'autre toujours, et puis société civile, l'agent André Dilla, tout, que nous pas, ouais, en nous chercher concertation toujours, pour ne pas faire rien bâclé de manière à ce que, pour ne pas tomber dans le même problème qui te gagne et déjà. Yo. Alors, nous sommes dit tout à l'heure, commissaire gouvernement à Port-au-Prince-Lan, et a invité des personnalités, et il s'agit de Jean-Marie Vob, Réginald Boulos, et bon, pas de compte, Yuri, moi, Yuri La Tortue, Steven Benoît, Dimitri Vob, monsieur élargi l'Islam, parce que c'est tout le monde qui t'a gonti petit problème avec Jovenel Moïse, il semblait le vouloir maintenant l'Islam. Et alors, il y a 19 Colombiens qui déjà sous les verrous, et États-Unis qui a annoncé que des agents du FBI et à plat pour mener enquête si là. Voilà, et Lovensky nous parle observer pose là, nous remercier les amis invités ça, qui parmi, qui c'est premier monde qui arrivait en studio, nous apprécier ça, nous souhaiter l'autre fait diligence, et parce que nous prenons et commencer émission, hein, et tout de suite après pose si là. Et nous souhaitons tout auditeur, toute auditrice, une bonne écoute de l'émission Ramassé.